L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même. Et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Samedi de la 14e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C. Les textes sont lus par Sœur Diane Audrey Rema Ndéa et le révérend diacre Achille Alaglo SMA. Commenté par le Père Barthélémy Noumachi SMA. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 6 du verset 1 au verset 8. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait
et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un chardon brûlant qu'il avait pris avec des pains sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répondre après moi le répond du psaume 92. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Matthieu au chapitre 10, versets 24 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur comme son seigneur. » Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, paix et joie. Nous sommes aujourd'hui au samedi,
Et donc, au terme de la 14e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C, dans la première lecture, le Seigneur Dieu se révélant au prophète Isaïe l'interrogeait en ces termes. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et Isaïe a répondu, moi, je serai ton messager, envoie-moi. Telle est aussi notre réponse. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, lorsque nous avons accepté accueillir le baptême, comme tel, nous devenons nous aussi des disciples à la suite du Seigneur notre Dieu, à la suite de Jésus-Christ. Mais ce chemin à la suite du Christ est parfois parsemé de difficultés. C'est en cela que nous aussi, nous portons notre croix à la suite de celui qui nous a appelés. Mais le Christ, lui qui nous a choisis, lui qui nous a appelés, depuis hier, nous rassure qu'il ne nous laissera pas seuls. Ainsi, dans l'évangile de ce jour, il nous invite à ne pas craindre ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, mais à craindre plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Nous n'avons donc rien à craindre devant nos ennemis, qui sont aussi les ennemis du Christ. En effet, chacun d'entre nous, en tant que chrétien, a du prix à ses yeux, plus que les créatures de ce monde. Créatures envers lesquelles il est toujours bienveillant. Eh bien, s'il est ainsi envers les créatures de ce monde, qu'en serait-il de nous, ses choisis, ses bien-aimés, ses collaborateurs, que lui-même il a appelés pour sa moisson? Cela sous-entend qu'il est toujours là pour nous soutenir, pour nous fortifier et nous montrer la voie à suivre. Et, à notre tour, si nous parvenons à lui porter courageusement témoignage dans ce monde, alors lui aussi se prononcera en notre faveur à la fin des temps. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Nous sommes alors invités à ne pas perdre courage dans notre témoignage de foi à la suite du Christ. En ce jour, je voudrais que nous pensions spécialement à tous les missionnaires et chrétiens persécutés de par le monde pour le témoignage de leur foi. Que le Seigneur les fortifie. Qu'il nous délivre tous de la peur et qu'il affermisse notre foi afin que nous puissions nous aussi témoigner de lui à temps et à contre-temps, jusqu'au dernier souffle de notre vie. Que lui-même nous y aide. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous